Salut tout le monde. Bon, ben voilà, là je rentre dans la partie, c'est juste pour planter le décor. Alors salut tout le monde. Ben écoutez, j'ai eu un petit souci, j'ai pas réussi à upload mes quatre vidéos. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Là, j'ai joué, j'avais une sale connexion. Bon, les autres aussi apparemment là, mais moi j'étais souvent en rouge, j'étais en train d'upload, donc c'était vraiment dur. Et parce que bon, ben voilà, comme je disais, celle que j'ai fait à midi quand il est sorti, le DLC, j'ai pas pu les uploads, j'ai dû partir en urgence, et bon, je suis rentré à 11h du soir. Et donc, elles étaient encore en train d'upload les vidéos, un petit souci d'ordi qui s'est mis en veille. Donc, quand je suis rentré, ben, la plupart de mes vidéos, je les avais pas uploadées. Donc, quand le soir, je suis rentré, j'ai pas pu jouer, catastrophe, pas pu jouer au nouveau DLC de BO2. Bon, donc, ben, là, vous voyez une partie où j'ai des grosses difficultés de connexion, comme vous pouvez voir. Je prenais bien mes balles, je vous rassure. Et bah là, c'était vraiment un cas unique où j'ai pas besoin vraiment de lui en mettre beaucoup. Il a bien pris, il devait être blessé. Mais sinon, j'ai pas mal ramassé. J'ai fait des parties après du 5, 10, je crois la dernière quand j'ai arrêté 5, 10 parce que j'en pouvais plus. Voilà, j'avais trop de mal. Voilà. Donc là, je vous mets celle-ci parce que bah voilà, j'avais pas eu le temps de faire la. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là là-bas, maintenant je viens de le voir. Cette nouvelle map qui s'appelle Magma. Voilà. Et ben donc voilà. Bon bah ben, toujours, je ne me suis pas de chance. De toute façon, les drones de chasse, ils sont pour moi. Les Betty, les Claymore, c'est moi qui les ramasse, il n'y a pas de souci. Je fais le nettoyage des Betty et des Claymore. Donc bon bah c'est, vous voyez, comme vous voyez, c'était assez dur. J'avais beaucoup de mal. Mais bon, je vous présente quand même ce gameplay parce que bon bah il fallait bien que je vous présente cette map. Hein, on va pas regarder le gameplay ou comment que j'ai joué. On va surtout regarder la map. Hein, ni la connexion, ni quoi que ce soit. Donc le petit passage là qui va bien. Il y en a souvent qui viennent par là, des petits vilains qui. Donc n'hésitez pas, quand vous passez par là, toujours regarder dedans. Ça, c'est assez important. Donc le gros coup de chance. Là, je devais avoir la salle co avec moi. Vous voyez là, les potes, je les avais tous mangés. J'ai eu une bonne série. Et en rechargeant, j'ai ramassé la M-TAR. Catastrophe, mais qu'est-ce que c'est de cette arme que je dis à. Anit Kaizen. Bon, j'ai fait avec et ça s'est bien passé. Bon, si vous voyez mes autres parties, si vous regardez cette partie-là, moi je vous invite à venir sur ma chaîne. Et les autres gameplays que vous verrez, c'est quand j'ai une connexion normale. Et donc là, je vous montre en fait ma plus belle partie avec la sale connexion. Voilà, parce que bon, j'avais en plus, quelle chance, c'était sur cette map là. Alors ça va, comme ça au moins ça vous la présente. Voilà, je suis très fatigué. Donc magma, oui, vous tombez dans le magma et ben vous mourrez, je vous le dis. Il faut bien faire attention, ça m'est arrivé. Je suis tombé même dans le vide une fois, dans le magma. C'est pas mal, ça évite rien du tout quoi, hein. Au moins les imprudents, les novices, on va dire, les pigeons. Je suis tombé au début dans le magma, mais maintenant j'ai compris, j'ai fait 5-6 parties sur cette map là et je suis plus tombé dedans, je vous rassure. Donc ça sera les pigeons, les novices, comme moi j'étais sur le premier gameplay, qui tomberont dans le magma. Lui, j'avais pas vu coucher là-bas, j'ai l'impression qu'il y en avait un là. Je l'ai loupé, ouais. Bref. Voilà, bon, c'est encore une map assez sympa. On peut pas mal tournicoter, tournicoti, tournicota. Ouais, là, vous verrez tout de suite mon âge. Et donc, c'est pas mal pour les rushers, ça permet on peut vite les contourner.
C'est ça qui est intéressant, de pouvoir vite contourner, parce que si vous devez rusher dans les lignes droites, bon, avec les snipers, les campeurs, et tout ce qu'on veut, ça sera assez difficile. Voilà, bah lui je l'avais vu, les propins qui tiraient dessus, j'ai dû intervenir comme j'étais pas trop loin, comme je savais que j'allais pouvoir le prendre dans le dos. Donc, bah, partie très très désagréable à faire. Là, je crois que je vais mourir une ou deux fois là en passant dans cette maison. Je ne peux me souvenir où c'était, dans les parties d'avant peut-être. Ouais. Voilà, très désagréable de devoir jouer comme ça. Bon, certes, j'étais en train d'upload, mais bon, ça prouve à quel point ma connexion a des limites, quoi. Hein. Et il faut pas grand-chose pour que ça devienne une catastrophe. Oh là là, désolé, j'ai bossé dur aujourd'hui. Et donc, je sais pas combien on en est. Ah, il serait temps qu'elle se termine, parce que, vous voyez, c'était assez difficile, c'était assez long. Je suis désolé de ne pas vous présenter plus de frags, mais bon, c'est comme ça. C'est surtout bon pour les gens qui ont la PS3. En fait, je pense que le DLC, pour eux, il va sortir un petit peu plus tard. Et bon, bah, ça va leur permettre un petit peu de découvrir la map, de se familiariser un petit peu avec cette map. Comme ça, quand eux, ils viendront dessus, eh ben, ils seront pas dépaysés. Au moins, ils connaîtront un petit peu déjà les... Oh, j'avais pas vu celui-là, mais il va me tuer. Tout ce qui était cousu de fil blanc. Ah, bonne idée de se coucher. Qu'est-ce qui va se passer? Wow. C'était vraiment dur, dur, dur. Je galérais à mort avec cette co. Et bon, bah voilà, bon, bah c'est pas grave. Hein. Les parties que je fais en négatif, c'est pas grave. Je joue pas la ratio. C'est pas mon objectif principal. Le principal, c'est de m'amuser. Voilà. Donc bah, là, elle va bientôt se terminer et on va perdre apparemment. Bon, bah, c'est pas grave. Donc bah, écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir même vous uploader une vidéo comme ça. Je suis vraiment encore désolé de ne pas avoir pu vous présenter un meilleur gameplay. Mais bon, ça a été fait dans la précipitation, on va dire, pour vous présenter ça en premier. Parce que si vous êtes le dernier, il n'y a pas beaucoup de chances que vos vidéos soient vues. Donc voilà, bah comme vous pouvez constater, je me suis battu comme j'ai pu, j'ai couru partout, et voilà. Écoutez, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, soyez gentils avec moi, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça serait vraiment sympa, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut, salut!